two presentations nos deux dernières présentations was taken from 2 Peter chapter 1 ont été tirées de 2 Pierre 1 and we drew some conclusions et from nous that avons chapter. Tiré certaines conclusions à partir de ce chapitre. One of them et l'une d'elles is that we're promised something. C'est que quelque chose nous a été promis. And this promise et cette promesse is before receiving the gift. Est avant la réception du don. Having received the promise, ayant reçu la promesse, the gift, le don, we become partakers of the heavenly nature. Nous devenons donc partenaires de la nature divine. And we escape the corruptions that are in the world. Et nous échappons donc à la corruption qui sévit dans le monde. The reason why we get ensnared in the world. Et la raison pour laquelle nous sommes piégés dans le monde. Is because of the lust. C'est en raison donc des désirs. The Bible talks about it as the lust of the flesh. Et la Bible parle de cela comme étant la convoitise de la chair. And we can escape those things. Et nous pouvons échapper à ces choses. And we demonstrated et nous avons démontré that in connection with this escaping from the world en connexion avec le fait d'échapper à ce monde and partaking of the divine spirit et participant de la nature divine the divine nature la nature divine there are certain steps that we would experience il y a certaines étapes qu'il nous faudrait donc expérimenter we spoke about them nous en avons parlé. Brotherly kindness, charity, etc. Donc la charité, la bonté fraternelle, etc. And we demonstrated that this is the present experience, not a future experience. Et nous avons démontré qu'il s'agit là d'une expérience présente et non pas future. We then saw. Ensuite, nous avons vu. That there were people who were blind. Qu'il y a des personnes qui sont aveugles. And those people who were blind. Et ces personnes aveugles. Have forgotten. Ont oublié. That they were purged from their old sins. Qu'elles avaient été purgées de leurs anciens péchés. I want to make it clear what the word purging means. Et j'aimerais clarifier ce que ça signifie le mot purger. This word purge. Ce mot-là, purger. Means to take away completely. Ça veut dire enlever totalement. So it is no longer. Il n'est plus. In this item. Il n'est plus là. So if we were to think of a vessel. Donc, si vous voulez penser donc à un vase, a cup, à une coupe, and you purged everything out of that, et vous purgez tout tout ce qui est à l'extérieur de cela, it'd be totally clean and dry. Donc, ce vase va être totalement purifié purifié. So this purging is a complete expulsion of something. Donc, cette purge, c'est un enlèvement total de quelque chose. And we said that happens at baptism. Et nous disons que cela se passe au baptême. So the sins that are being spoken of there. Donc, le péché dont il est fait mention là. Are all of those sins in the past. Sont donc tous ces péchés commis dans le passé. And it's in that history that you're given these promises. Et c'est dans cette histoire que vous faites ces promesses. So the promise is this. La promesse est celle-ci. If you believe the promise. Si vous croyez en la promesse. And you have all of these things purged from you. Et que toutes ces choses ont été purgées de vous. You will receive what? Qu'allez-vous recevoir? You're sharing what? Vous partagez quoi? The divine nature. La nature divine. And once you receive the divine nature, et dès que vous recevez donc la nature divine, remember in verse 5 it says because of this. Et rappelez-vous au verset 5, il nous est dit en raison de cela. Because you receive the divine nature, parce que vous avez reçu la nature divine, then you'll add all of these things on top of that. Alors vous ajoutez d'autres choses. And we saw, et nous avons vu, that the things that we add to it, que les choses que nous y ajoutons. Future experiences, but present day experiences. Ce ne sont pas des expériences futures, mais des expériences présentes. Verse 9. Le verset 9. There's a class of people. Il y a donc une catégorie de personnes. Who don't do that? Who backslide? Qui recule, qui ne fait pas cela? They're considered to be blind. Ils sont considérés comme étant donc des aveugles. So you have two groups of people: donc, those who are blind, those who see. Vous avez deux catégories de personnes: ceux qui sont aveugles et celles qui voient. And we demonstrated. Et nous avons démontré. That everybody in the church. Que tout le monde dans l'église. The church when Peter is ministering. L'église dans laquelle Pierre sert. The history here.
Cette histoire-là, at the cross, à la croix, New Testament, le Nouveau Testament, the church, l'Église, is blind, est aveugle. From the head, the leadership, de la tête des dirigeants, to the lowliest member, the feet, jusqu'au pied, donc le membre le plus bas. And we know that a church that is blind, et nous savons qu'une église qui est aveugle, is the church of Laodicea, représente l'église de Laodicée. So we see that the experience of Laodicea, et nous voyons donc l'expérience de Laodicée, is not only the history that we live in, n'est pas seulement l'histoire que nous vivons en tant qu'adventistes du septième jour, but it's also the experience that's happening here in the history of Peter. C'est également une expérience qui a eu lieu dans l'expérience de Pierre. And you can demonstrate, et vous pouvez démontrer, it's the same experience that they have in the time of Moses, que c'est la même expérience que à l'époque de celle de Moïse. We didn't discuss this. Nous en avons discuté. But of course, then it would be the same experience as the history of Isaiah and Jeremiah. Et bien sûr, ça sera également la même expérience que celle qu'a vécu Isaïe et Jérémie. So it's a recurring theme. Donc c'est une chose récurrente. That there's a problem in God's church. Que au sein de l'église de Dieu, il y a un problème. That the sheep, que les brebis, are scattered, sont dispersées. And how are they scattered? Et comment sont-elles dispersées? Through what they eat. Par rapport à ce qu'elles mangent. So they're fed poisonous food. Elles ont été nourries des aliments empoisonnés. And that's what scatters them. Et c'est ce qui les a dispersées. They don't leave the church. Elles ne quittent pas l'église. It would be better if they left the church. Ça aurait été préférable qu'elle quitte l'église. Because when you leave the church, parce que quand vous laissez l'église, you go into the world, vous allez dans le monde, you know where you stand. Vous savez là où vous vous tenez. You understand your relationship to God and to the world. Vous comprenez votre relation avec le monde et avec Dieu. You don't have a pretense, you don't pretend or hide. Vous ne vous cachez pas, vous ne prétendez pas. But if you remain in the church, mais si vous restez dans l'église, having been poisoned, ayant été empoisonné, with this unawareness that you're lost, avec ce manque de conscience que vous êtes perdu, then what hope is there? Donc alors, quelle est l'espérance là? None. Il n'y en a aucune. Someone has to go out searching for you. Donc il y a quelqu'un qui doit sortir pour vous rechercher. And when they find you, et lorsqu'elles vous ont trouvé, as the parable teaches, there's great rejoicing. Comme la parabole l'enseigne, il y a une grande joie. And when you start putting the parables together, et lorsque vous commencez à rassembler donc les paraboles ensemble, once this person begins to recognize their condition in the church, et quand cette personne commence à reconnaître sa condition au sein de l'église, they will cry out for help. Elle va, cette personne va crier pour de l'aide. Just like a lost sheep. Tout comme une brebis perdue. And Jesus, et Jésus, not in person, non pas en personne, but in the person of his disciples, mais dans la personne à travers ses disciples, will set up shepherds, va établir donc des bergers, to go and find those lost sheep, pour aller afin qu'ils trouvent ces brebis perdues. And once those sheep are found, et une fois que ces brebis là sont trouvées, and they've gone through this experience that we've read in 2 Peter, et qu'elles ont traversé cette expérience que nous avons lue dans 2 Pierre 1, they too become shepherds. Elles aussi donc elles deviennent des bergers. And repeat that work. Et répètent donc cette œuvre. But when we read in Matthew 15, mais comme nous l'avons lu dans Matthieu 15, Christ's disciples don't recognize who they are. Les disciples de Christ ne reconnaissent pas qui ils sont. And hence they are cautious about Jesus' behavior. Et ils sont prudents par rapport au comportement de Jésus. And they caution him to behave more circumspectly. Et ils le réprimandent, lui demandant d'agir avec plus de prudence. And he will have nothing of that. Mais lui, il n'aura pas, il ne va pas faire cela. We then read on, ensuite, nous avons lu 2 Peter, de Pierre, that the thing that changes these people, les choses donc, qui transforment ou changent ces personnes, is an understanding, a recognition that prophecy is being fulfilled. C'est une reconnaissance et une compréhension que les prophéties ont été accomplies. These men are eyewitnesses of what happened. Parce que ces hommes, ce sont des témoins oculaires de ce qui s'est passé. But the Bible says, mais la Bible déclare, having eyes, ayant des yeux, people don't see. Les personnes ne voient pas. So everybody can see what's happening. Donc tout le monde peut voir ce qui se passe. Jesus says, when I spoke, it wasn't in
in a corner in the dark. Et Jésus disait lorsqu'il parlait, ce n'était pas dans un coin ou dans les ténèbres. He said, I spoke in the open. Everybody could hear what I was saying. Il l'a dit, il parlait ouvertement de sorte que tout le monde pouvait entendre ce qu'il disait. But people, mais les gens don't want to be eyewitnesses. Ne veulent pas être des témoins oculaires. The same time they claim to be able to see. Et en même temps, elles déclarent, elles clament être des personnes qui voient. And what did Jesus say of these people? Et que dit Jésus de ces personnes? He says, if you were blind, il dit, si vous étiez aveugle, you would have no sin. Vous n'auriez eu aucun péché. But what did these people, the Jews, claim to have? Mais qu'est-ce que ces personnes, ces Juifs, déclaraient être, avoir? Eyesight. L'oculaire. And so he said, c'est pour ça qu'il dit, because you tell me you can see what's happening, parce que vous me dites que vous êtes en mesure de voir ce qui se passe, your sin remains. Votre péché demeure. And unfortunately, that's the condition of the church in that history. Et malheureusement, c'est la condition de l'Église dans cette histoire. And if that's the condition of Laodicea here, et si c'est la condition de Laodicée là, it must be the condition of Laodicea here. Ça doit être donc la condition de Laodicée au début. And it's obvious. Et il est évident that it's going to be the condition of Laodicea here at the end of the world. Que ce sera également la condition de Laodicée à la fin du monde. It would be better. Il serait préférable. We said to God, we're blind, we can't see, we don't know what's happening. De dire à Dieu, nous ne pouvons pas voir, nous ne savons pas ce qui se passe. Because then he would tell us that we have no sin. Parce que là, à ce moment-là, il nous aurait dit, ben, vous n'avez pas de péché. When he says there's no sin, quand il dit qu'il n'y a pas de péché, it's not that we're not doing sin. Ça ne veut pas dire que nous ne pratiquons pas le péché. It's just that he says, I won't look at you yet. Et c'est simplement qu'il nous dit, je ne vais pas vous regarder maintenant. So when you look at people, parce que quand vous regardez à des gens, you start judging them, don't you? Vous commencez à les juger, n'est-ce pas? Start investigating their behavior and their conduct. Donc vous commencez à investiguer leur comportement et leur conduite. So Jesus says, donc Jésus il dit, if you are blind, si vous étiez aveugle, I wouldn't investigate you yet. Je ne vous aurais pas investigué maintenant. But these people said, mais ces personnes déclarent, we can see. Nous pouvons voir. So he says, donc il dit, if you claim to be able to see, vous clamez être en mesure de voir, your sin, donc votre péché, remains, demeure. Let's go to Matthew 13. Allons dans Matthieu 13. Matthew 13, verse 15. Le verset 15 de Matthieu 13. Don't worry if you don't understand what this verse is saying. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la signification de ce verset. I just want to use this to go to another verse. Je veux juste utiliser ce verset pour aller dans un autre verset. Read verse 15. Nous allons lire le verset 15 de Matthieu 13. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. Et ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. There's an important rule. Il y a ici une règle très importante, a method of studying, une méthode d'étude that I want to address right here, que j'aimerais donc adresser, aborder là. And once you begin to use this rule and become familiar with it, et lorsque vous allez commencer à utiliser cette règle et être familier avec celle-ci, it will aid you in your Bible study. Cela va vraiment vous aider dans votre étude biblique. Mm-hmm. Everybody has heard, hopefully, of William Miller. J'espère que tout le monde a entendu parler de William Miller. So he had some rules. Miller, il avait certaines règles. Now, I'm not going to list the rules here. Je ne vais pas lister les règles ici. But I want to use common language that we're all familiar with. Mais je voudrais utiliser un langage commun avec lequel nous sommes tous familiers. To encapsulate his rules. Pour englober donc ses règles.
So one of the ones et l'une d'elles is repeat and enlarge. C'est répétition et élargissement. I'm going to test you now. Et maintenant, je vais vous tester. So be on your guard. Donc, soyez sur vos gardes. Keep your finger in Matthew 13. Donc, gardez vos doigts dans Matthieu 13. And let's go to Book of Revelation. Allons dans l'Apocalypse. You try and find the verse. J'essaie de trouver le verset. Revelation 8. Apocalypse 8. Revelation chapter 8, verse 13. Verset 13. Apocalypse 8, 13. Okay, so remember the rule, repeat and enlarge. Rappelez-vous donc la règle, répétition et élargissement. We're in Revelation 8, 13, we'll read that. Nous sommes dans Apocalypse 8, 13 et nous allons lire. Et je regardais et j'entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres voix de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner. » So, I've got Revelation. Donc, on a Apocalypse. 8:13. 8:13. So, my question is. Ma question est celle-ci. Can you see repeat and enlarge here? Est-ce que vous voyez une répétition et un élargissement ici? Hein? So that's the test question. C'est la question test. Je sais, wow. Yep. Okay, so we can see a repeat and enlarge. On voit une répétition, un élargissement là. Let me go to another one. Bon, on va. Revelation 14. Apocalypse 14. Verse 8. Verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Yep. Et un autre ange suivait, disant, Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. So, I've given you two Bible verses. Donc, je vous ai donné deux versets bibliques. One of them is a famous one. L'un est très connu. Revelation 8 is not so famous. Apocalypse 8 n'est pas aussi connu. So, here's the question. Voici la question. Is this an example? Est-ce un exemple? These verses of repeat and enlarge. Est-ce un exemple de répétition et élargissement, ces versets-là? Anybody say no? Tout le monde dit non? Say no, if it's no. Si c'est non, dites non. Say yes, if it's yes. Si c'est oui, dites oui. Oui, yes. Oui. Okay, so lots of people think these are repeat and enlarge. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il y a une répétition et un élargissement. So, the answer is la réponse est that they're not repeat and enlarge. Il n'y a pas une répétition et un élargissement. Both of these are repeats. C'est juste une répétition. Or my sister said double. Où ma sœur a dit un doublement. So, there's another rule about doubling. Il y a une autre règle par rapport au doublement. But these are not examples of repeat and enlarge. Mais ce ne sont pas des exemples de répétition et d'élargissement. So we put double, parenthesis. Doublement. Parenthesis. Parenthesis. Repetition. No. No. After that. I don't understand. After another word. Yeah. Parenthesis. But what does that mean? I'll do it. Yeah, because I don't know what you mean. Doubling means repetition. Ah. Okay, doublement, ça veut dire répétition. So these are examples of repetition. Donc, ce sont des exemples de répétition. So what we're saying is there's another rule, which is repetition and enlargement. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il y a une autre règle qui parle de la répétition et de l'élargissement. And these are not examples of that. Et ce ne sont pas des exemples de cela. So these two.
Donc ces deux-là, les deux versets, examples of this one. Sont des exemples donc du doublement. So we understand what repetition means. Donc nous comprenons ce que signifie la répétition. What does the word enlargement mean? Et le mot élargissement, qu'est-ce qu'il veut dire? Obviously it means to make bigger. Ça veut dire rendre plus gros, plus grand, what is élargir. What is being enlarged? What is being made bigger? Qu'est-ce qui a été rendu plus grand et ou élargi? So our understanding. Notre compréhension. So when you have a repeat and enlarge, quand vous avez une répétition, un élargissement, you're going to say something. Vous allez dire quelque chose. And people don't know what it means. Et les personnes ne savent pas ce que cela signifie. So what will you do? Donc qu'est-ce que vous allez faire? You repeat it. Vous le répétez. And if you use the same words, et si vous utilisez les mêmes mots, will that help anybody? Est-ce que ça va aider quelqu'un? No, because they didn't understand it the first time. Non, parce qu'ils ne l'ont pas compris la première fois. So what do you do? Donc qu'est-ce que vous allez faire? You say, I'll explain it in a different way. Vous allez dire, je l'explique d'une façon différente. So you enlarge their understanding. Donc vous élargissez leur compréhension. So repeat and enlarge. Donc répétition et élargissement. Is saying the same thing. C'est dire la même chose. But you're going to say it in a different way the second time. Mais la deuxième fois, vous allez le dire d'une façon différente. And this methodology et cette méthodologie, hein, is very important for us to understand. Est très importante pour nous à comprendre. It's a key. C'est une clé. A rule. Une règle. That once you can see it, que dès que vous pouvez, vous êtes en mesure de la voir. It will help to unlock many Bible verses. Cela va vous aider à déverrouiller beaucoup de versets bibliques. So we're in Matthew 13. Nous sommes dans Matthieu 13. Did we read the verse? First 15, I don't think we read it. Mm-mm. So we're going to read Matthew 13, 15. On va lire Matthieu 13, 15. Matthieu 13, le verset 15. Yes, I read it. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. So I'm saying, donc je dis, in this verse, it's a long verse, dans ce verset qui est très long, there's repeat and enlarge. Il y a une répétition et un élargissement. So when you read it, you may not notice. Quand vous le lisez, vous n'allez peut-être pas le remarquer. So we're going to... I'm going to show that it's a repeat and enlarge. Donc, je vais vous montrer que s'il s'agit d'une répétition et d'un élargissement. And once we do that, then we can begin to make some applications. Et une fois que nous avons fait ça, nous pourrons faire donc des applications. Jesus says, "This people's heart is waxed gross." Donc Jésus dit, le peuple, le cœur de ce peuple s'est engraissé. Their ears are dull of hearing. Ils sont devenus durs d'oreilles. Their eyes they have closed. Ils ont fermé leurs yeux. And the rest of the part. Et le reste. Says, lest at any time. À moins d'une chose. They should see with their eyes, hear with their ears, and should understand. De peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, qu'ils ne comprennent avec leurs. And what will be the result of all of that? Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? The last part of the verse, what would be the result? Quel sera le résultat de la dernière partie du verset? You'd be converted. On sera converti. It says it straight, it says, lest I should be converted and I should heal them. Et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. We saw that here. Nous l'avons vu là. Everyone has eyes. Tout le monde a des yeux. But this person isn't seeing. Mais cette personne, elle voit pas. This person is seeing and he's been converted. L'autre personne, elle voit et elle a été convertie. This person has eyes but he's closed them and he can't see and he's not converted. Et donc cette personne, elle a des yeux mais elle ne voit pas et ne peut donc pas être convertie. Okay, so let's concentrate. Alors concentrons-nous. We're going to use this rule, repeat and enlarge. Nous allons utiliser cette règle, la répétition et l'élargissement. Now I'm going to ask this question. Et je vais vous poser donc cette question. If I asked you, si je vous pose la question, to give me a definition, de me donner une définition, the same word, of converted, convertir, C-O-N-V-E-R-T-I, converti, I, yeah. What does the word converted mean? Qu'est-ce que ça veut dire le mot converti? Change. Change.
transform. Okay, so all your answers are good answers. Alors changer, transformation, tout ça c'est bien. But I want us to use this rule. Mais je veux utiliser cette règle. Because I want to use a biblical definition. Parce que je veux utiliser une définition biblique. Not a dictionary definition. Et non pas une définition du dictionnaire. Not to go to the Greek or Hebrew and work things out. Et non pas aller dans le grec ou dans l'hébreu pour essayer de trouver les choses. So look at the verse. Regardez au verset Matthieu 13, 15. And the verse will tell you what the word converted means. Et le verset va vous dire ce que veut dire le mot converti. So understand with the heart. Heal, to be healed. Good, we found it. Okay, vous l'avez trouvé. Guérir, c'est heal. Guérir. G U E R I R. Guérir. So I'm saying this is the biblical definition. Donc là, je to dis be qu'il converted. S'agit d'une définition biblique pour être converti. It means to be healed. Ça veut dire être guéri. Now, if you need to be healed, what does it mean you were before? Donc, si vous devez être guéri, donc vous étiez comment auparavant? Sick. Sick. You were sick before. Vous étiez malade auparavant. Okay, so if you were God's people. Donc, si vous étiez le peuple de Dieu. That's what 2 Peter says. He says you were healed. Donc c'est ce que Pierre, 2 Pierre nous dit, vous étiez malade. Your sins were purged. Donc vos péchés ont été donc purgés. Now you got sick again. Et là maintenant vous êtes devenu malade de nouveau. And you need to be healed, you need to be converted. Et il vous faut de nouveau être guéri et converti. So you need to go back to your first love. Donc il vous faut retourner vers votre premier amour. What about if you're in the world? Et qu'en est-il si vous êtes du monde? A Gentile, never been a Christian, never know God. Un gentil qui n'a jamais connu Dieu. You need to be converted, don't you? Qui n'a jamais été chrétien, il vous faut être converti, n'est-ce pas? You need to be healed. Il vous faut être guéri. But you've been sick your whole life. Mais durant toute votre vie entière, vous avez été malade. So when you're healed. Donc quand vous êtes guéri. You need to go back to some place where you are healthy. Il vous faut retourner à un endroit où vous étiez en bonne santé. So where would your start place be? Donc quel serait votre point de départ? Because you can't go back to your own life. Parce que vous pouvez pas revenir vers votre ancienne vie. Because we were born sick, weren't we? Parce que nous sommes nés malades, n'est-ce pas? So where are you going to go back to? Vous allez retourner vers où? You're going to go all the way back to Adam. Vous allez retourner jusqu'à Adam. And Adam. You're going to see Adam in his health. Et vous allez voir Adam dans sa santé. And you're going to get that health that he had. Et vous allez avoir cette, vous allez prendre cette santé qu'il avait. Isn't that God's will for us? N'est-ce pas la volonté de Dieu pour nous? That we have the health of Adam. Que nous possédions la santé d'Adam. Before he made all those mistakes. Avant qu'il ne commette toutes ces erreurs. We're going to talk more about Adam. Et j'aimerais que nous parlions plus au sujet d'Adam. Because how many Adams are there? Parce que combien d'Adam il y a? Two. Two Adams. Il y a deux Adam. 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens 15. So if there are two Adams, s'il y a deux Adam, are they both the same? Est-ce que les deux sont les mêmes? Yeah, they have to be. Oui, ils doivent l'être. If I got the word Sabbath. Si je prends le mot sabbat from the book of Esther, à partir du livre d'Esther, and I got the word Sabbath from the book of Acts, et ensuite je prends le mot sabbat à partir du livre des Actes, same word, le même mot. Don't we just put them together? Je ne peux pas les mettre ensemble. And we call that proof texting. Et ça, nous appelons cela la preuve par le texte. You get one text and you get another text and you put them together. Vous prenez un texte, ensuite vous allez vers un autre et vous les mettez ensemble. So you've got one verse talking about one Adam and another verse talking about another Adam. Vous prenez un verset qui parle d'un Adam et un autre qui parle d'un autre. They must have all the same characteristics. Les deux doivent avoir les mêmes caractéristiques. So that's another rule. Et là, c'est une autre règle. Proof texting. La preuve par le texte. And proof text. La preuve par le texte. Is going to get the same word. Ça va, on va prendre le même mot. Or the same phrase. Ou la même phrase. The same idea. La même idée. And connect them with all these different Bible verses. Et nous allons les connecter avec tous ces versets bibliques. So we're in Matthew 13, 15, and we've seen that convert means to heal. Et nous sommes dans Matthieu 13, 15, et nous avons vu que le mot convertir, ça veut dire guérir. So now I want to ask you something. Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question. What is an ear? Qu'est-ce qu'une oreille? Qu'est-ce qu'une oreille?
to hear. No, not what an ear is for. Non pas donc à quoi sert une oreille? What is an ear? Qu'est-ce qu'une oreille? Using this rule, repeat and enlarge. Utilisez cette règle, répétition et élargissement. Is what? Eyes. Good. Oui, bien. An ear is an eye. Donc une oreille c'est un œil. And? Et quoi d'autre? What is an eye? Et c'est quoi un œil? Heart. Good. Et le cœur. When you taught the rule. Lorsque vous enseignez la règle, you can see it's not too difficult. Vous voyez que ce n'est pas très difficile. But it begins to make you see. Mais cela va vous permettre de commencer de voir how things work. Comment les choses fonctionnent. The eye. L'œil. Inspiration tells us. L'inspiration nous dit. The eye is the window to what? C'est la fenêtre de quoi? To the soul. We all de know l'âme. That. Nous connaissons tous cela. So the eye is the window to the soul. L'œil, c'est la fenêtre de l'âme. If I wanted to look at your soul, si je voulais regarder à votre âme, just get a magnifying glass and look into your eye. Donc je prends une loupe pour regarder à vos yeux. Is that correct? Est-ce que c'est juste? Of course it is. Bien sûr. So here's the eye. Voici l'œil. Something's going to go in there. Quelque chose va là. There's a tube. Là, il y a un tube. That goes all the way. Qui va jusqu'où? Into your soul. À votre âme. A-M-E. A-M-E. Do you agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? What is this soul here? Quelle est cette âme là? Because people say. Parce que les gens disent. God breathed into Adam and he became a living soul. Parce que Dieu a soufflé en Adam et il est devenu une âme vivante. And when someone dies. Et lorsque quelqu'un meurt. We don't have an eternal soul. Nous n'avons pas une âme éternelle. So we say that body and spirit equals soul. Nous disons que l'esprit et le corps égal à l'âme. So we say body. Nous disons le corps. Plus. Spirit. L'esprit. Equals soul. Égal à l'âme. Is that correct? Est-ce que c'est juste? That's correct. Oui. Is that the only definition for soul? Est-ce la seule définition pour l'esprit? Can't be. Ça ne peut être le cas. Because when you look into someone's eye. Quand vous regardez aux yeux de quelqu'un. Or when information goes into your eye. Ou quand une information va dans vos yeux. It goes straight to your soul. Ça va directement à votre âme. In fact, en fait, the eye, l'œil, and the soul, et l'âme, are the same thing. C'est la même chose. Because the soul, parce que l'âme, is also, est aussi, your heart, votre cœur. Now this is not literal. We understand that. Vous comprenez cela? Ce n'est pas littéral. Hein? It's all symbolic. Tout cela, c'est symbolique. You can show. Mais vous pouvez montrer that the soul que l'âme is either et soit this model, soit ce modèle, and this model, et également celui-ci du haut. Because you can connect these two together. Vous pouvez relier les deux ensemble. But what I want you to show here, et je voudrais vous montrer ici, is if you've got an ear, que si vous avez une oreille, that can hear, qui peut entendre. Or you've got an eye that can see. Ou vous pouvez voir, vous avez un œil qui peut voir. Or you've got a heart. Ou un cœur. What do hearts do? Qu'est-ce que fait le cœur? Feel. It doesn't say that in the verse. Dans le verset, on n'y est pas dit cela. Lisez le verset. Understand. Comprend. So this heart doesn't understand anything, and neither does it feel. Donc ce cœur là, il ne comprend rien et il ne ressent rien. So you know, donc vous savez, it's all to do with some kind of understanding. Que cela traite d'une certaine compréhension. So what I want to say, ce que j'aimerais vous dire, if I came to you, si je vais vers vous, and poked you in the eye, et que je vous pique l'œil, hard, durement, so you couldn't see anymore, de sorte que vous ne soyez plus en mesure de voir, would that be the same, est-ce que ça serait la même chose, as you not being able to hear anymore, de ne plus entendre. Yes, according to the verse. Selon le verset, oui. You don't have an eye. Si vous n'avez pas d'œil. You don't have an ear. Si vous n'avez pas d'oreille.
And you don't have a heart. Et vous n'avez pas non plus de cœur. And you can't be. Et vous ne pouvez pas être converted. Converti. So we see how these models work. Donc vous voyez comment ce modèle il fonctionne. These two people. Pardon? These two people. Là, il y a ces deux personnes. He was blind. Il y en a un qui est aveugle. What about his ears? What's happened to them? Qu'en est-il pour ses oreilles? He's got ears, but he can't Il a hear. Des oreilles, mais il ne peut pas entendre. Can't understand. Il ne peut pas comprendre. He doesn't even know his condition. Il ne connaît même pas sa condition. So we're okay with that. Nous sommes d'accord avec ça? So let me read you a story now. Donc laissez-moi vous lire une histoire maintenant. Now you try and tell me what this story is teaching. Et vous essayez de me dire ce qu'enseigne cette histoire. Well, it's in different places. C'est dans différents endroits. It's in Mark, Luke and John, but we'll go to John. Elle se trouve dans Marc, Luc et Jean, mais nous, on lira celle de Jean. We'll go to John chapter 18. Jean 18. No, we'll go to John chapter 18, and we'll have to go to another one to add a bit of information. Donc on va lire Jean 18, mais nous faudra aller dans un autre passage pour ajouter d'autres informations. John 18, we all know this story. Donc Jean 18, nous connaissons tous l'histoire. They're in Gethsemane. Ils sont à Gethsemane. And Peter's got what? Et qu'est-ce que Pierre a? On his side here. Sur son côté là. Got a sword. Il a une épée. Yeah. And he's going to do something with that sword. Et il va faire quelque chose avec cette épée. Verse 10. Le verset 10. Alors Simon-Pierre, ayant une épée, la tira et en frappa un serviteur du grand prêtre et coupa son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jean 18, 10. You know he says the right ear, not the left. Vous avez bien noté qu'il s'agit de l'oreille droite et non pas de la gauche. The Bible talks a lot about the right side. Parce que la Bible parle beaucoup du côté droit. Because things happen on the right, not on the left. Parce que des choses se passent au côté droit et non pas au gauche. But Peter cuts off his ear. Mais donc là, Pierre a coupé l'oreille. If I chopped your ear off, si je vous coupe votre oreille, can you hear? Est-ce que vous pourrez entendre? No. You can't hear. Vous ne pouvez pas entendre. You can't see. Vous ne pouvez pas voir. You can't see. Vous ne pouvez pas voir. You can't what? Et vous ne pouvez pas quoi? You can't understand. Donc vous ne pouvez pas comprendre. And what is it that you're supposed to understand? Et quoi? Qu'est-ce que vous êtes supposé comprendre? The gospel. L'évangile. So that you can be converted and healed. Afin que vous puissiez être converti et guérir. So what's Peter done to this man? Donc qu'est-ce que Pierre a fait à cet homme. He just closed his probation. Il a juste fermé sa probation. He says, "You cannot be saved." Il lui a dit, tu ne peux pas être sauvé. I destroyed you. Je t'ai détruit. What did he destroy him with? Il l'a détruit avec quoi? A sword. Une épée. What is a sword? C'est quoi une épée? Hebrews 4:10. Hébreux 4:10. 12. The word of God. The word of God. La parole de Dieu. Okay, so Peter has got the Bible and killed this man. Donc Pierre a la Bible et tue cet homme. Condemned him to death. Il le condamne à la mort. You have to read Isaiah Vages to know the background. Il vous faut lire Jésus-Christ pour avoir le contexte. It says his name is Malchus here. Ici, nous est dit que son nom était Malchus. But you know who he is. Mais vous savez qui il est. Who is this man? Quel est donc cet homme? Says in the verse, dans le verset, nous est dit, verse 10, verset 10, smote the high priest's servant. Il a frappé le serviteur du grand prêtre. Yep. So Ellen White talks a little bit more about that. He's the high priest's servant. I wanted to know that. Je voulais que vous le sachiez. Ellen White en parle. C'est le serviteur du grand prêtre. He doesn't tell you now. Ici, il nous le dit pas. But if you go to Luke, mais si vous allez dans Luc, chapter 22, 22. Same story. La même histoire. But in the next verse, he's going to tell you something. Mais le verset qui suit vous dira quelque chose. 52:51. We just read 50, but we read it in John. On l'a lu. On a lu le verset dans Jean, et là 51, le 51. Et Jean répondit et dit, laissez faire jusque-là, et il toucha son oreille et le guérit. So, what does Jesus do? Qu'est-ce que fait Jésus?
He picks the ear up and he puts it back. Il prend l'oreille et il la remet à sa place. So what can the man do now? Donc qu'est-ce que peut faire l'homme maintenant? He can hear. Il peut entendre. He's got opportunity to see. Il a l'occasion de voir. Opportunity to understand. Et il a l'occasion également de comprendre. Opportunity to be converted. L'occasion d'être converti. So what's going on in that story? Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pierre, in his ignorance, dans son ignorance, says this man, dit que cet homme, his probation is closed. Sa probation est fermée. And Jesus says what? Et que répond Jésus? Not yet. Pas encore. This man has still got an opportunity. Cet homme possède encore une occasion. Because he was like this. Parce qu'il était comme cela. He's got an opportunity to be here. Il a l'opportunité d'être de l'autre côté. What's his job function? Quel est donc son rôle, son poste? He's the servant. Il est le serviteur. The high priest. Du grand prêtre. They're going to take Jesus to the high priest. On va emmener Jésus au grand prêtre. And they're going to do what with Jesus? Et qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Asking questions. On va l'interroger. And what's Jesus going to say? Et que dira Jésus? He's not going to speak. Il va rien dire. So, because they can't listen anymore. Parce qu'ils ne peuvent plus écouter. So I want to tell you, just from that simple story that you all know. Donc c'était juste pour vous montrer à partir de cette histoire que vous connaissez tous. The deep spiritual lesson is this. La leçon spirituelle profonde qui est celle-ci. At that time. À ce moment-là. The leaders, the priests, les dirigeants, les prêtres, they had ears, ils ont des oreilles, but Jesus is not going to speak to them anymore. Mais Jésus ne va plus leur adresser la parole. So they cannot understand, they cannot be converted. Donc de sorte qu'ils ne puissent pas être convertis, qu'ils ne puissent pas comprendre. 3.5 years into his ministry. Durant 3 ans et demi, il a eu son ministère. And they're going to kill him. Et à la fin, ils vont le tuer. But the servant, mais le serviteur, does he still have an opportunity? A-t-il encore une occasion? Yes, he still has an opportunity. Oui, il a encore une opportunité. Jesus had to heal this man. Jésus doit guérir cet homme. Shows you a number of things. Cela nous montre plusieurs choses. Shows you the ignorance. Ça nous montre donc l'ignorance. Of the new shepherds. Des nouveaux dirigeants. They're not doing their job very well. Ces nouveaux dirigeants bergers du moins ne font pas bien leur travail. Because they still don't know how to handle the Bible properly. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer la Bible correctement. In 50 days. En 15 jours. 50 jours, pardon. They're going to learn how to use their Bibles very well. Ils vont apprendre de quelle façon donc utiliser leur Bible très bien. That's a different story. C'est une autre histoire. That's Pentecost. Parce que là c'est la Pentecôte. If you can start using this rule, si vous pouvez commencer à utiliser ces règles, it begins to open up. Cela commence à ouvrir passages like this. Des passages tels que celui-là. That you now know. Que maintenant vous savez. When it talks about having ears but they cannot hear. Nous parlons d'avoir des oreilles mais des gens ne peuvent pas entendre. Having eyes they cannot see. Ayant des yeux mais ne peuvent voir. Having hearts they cannot understand. Et ayant un cœur ils ne sont pas en mesure de comprendre. They can't be converted and healed. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas être convertis et guéris. Each of us. Chacun d'entre nous. We need to understand this. Il nous faut comprendre cela. As we put line upon line. Alors que nous mettons des lignes sur des lignes. So that's a quick summary of what we did in our previous presentation. Donc c'est un résumé rapide de ce que nous avons vu dans nos deux premières présentations. Now I just want to add a few more details. Maintenant, j'aimerais ajouter quelques détails of what we spoke about before. De ce dont nous avons parlé précédemment. Just type one or two more loose ends. Okay. Okay. I think we're all probably familiar with the book of Revelation, the book of Daniel. Je pense que nous sommes familiers avec le livre d'Apocalypse et de Daniel. Perhaps one of the most famous passages in the book of Revelation. Et peut-être l'un des passages les plus célèbres de l'Apocalypse. Besides Revelation 14, three angels' messages. C'est Apocalypse 14, en plus d'Apocalypse 14. It's Revelation 7. C'est Apocalypse 7. Revelation 7. Apocalypse 7. Is dealing with the 144,000. Nous parle des 144,000. So when we start dealing with the 144,000, now we're dealing with ourselves.
Quand nous parlons donc des 144 000, nous savons que maintenant nous parlons de nous-mêmes. Those of us who are living at the end of the world. Ceux qui vivent à la fin du monde. So I want to read a spirit prophecy quote. J'aimerais qu'on lise une citation de l'esprit de prophétie. First we'll go to Revelation 7. Premièrement, nous allons dans Apocalypse 7. And we'll read the verse that's connected to it. Et nous lisons le verset qui est en lien avec. We're just going to read verse 3. Nous allons lire verset 3. But the context, mais le contexte, is that there's going to be some kind of destructive work upon the earth. Il y aura une œuvre de destruction sur la terre. And the destruction is about to begin. Et la destruction est sur le point de commencer. And a message is heard to stop the destruction, to hold it. Et un message est entendu disant d'arrêter cette destruction, de la retenir. Verse 3. Le verset 3, disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de Dieu, les serviteurs de notre Dieu en leur front. So, the destructive work can only happen after God's people are sealed. L'œuvre de destruction ne peut avoir lieu qu'une fois le peuple de Dieu soit scellé. So, I want to read a spirit prophecy quote to tell you what that sealing is. J'aimerais que nous lisions une citation pour vous montrer quel est ce scellement. Four Bible commentary. Donc, c'est dans le commentaire biblique volume 4, la page 1161.6 en anglais. Dès que le peuple de Dieu est scellé sur son front, ce n'est pas un sceau ou une marque qui peut être vue, mais un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, afin qu'il ne peut être déplacé. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le criblage qui viendra. En effet, il a déjà commencé, les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays pour nous avertir de ce qui est en train de se passer, d'arriver. All I want to pick up here, tout ce que je veux prendre là, is that it talks about the seal of God being put on God's, on the forehead of God's people. Ça nous parle là du sceau de Dieu qui est placé sur le front des enfants de Dieu. There's this seal or this mark, no one can see it. Ce sceau ou cette marque, personne ne peut la voir. But the seal, mais le sceau, she says, is a settling into the truth. C'est un affermissement dans la vérité. Intellectually and spiritually, so they cannot be moved. À la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déracinés. So, ou déplacés. Let's just draw that. On va dessiner cela. So, here's a seal. Voilà un sceau. That's going to be placed upon the forehead of someone. Qui va être donc placé sur le front d'une personne. And the seal is. Et le sceau c'est. Right. It's the. I want four words. Settling truth. Intellectually, spiritually, or intellect spiritual. Alors, cet établissement. Établissement. Truth, you said. Truth. Vérité. Intellect and spiritual. On va mettre un clé. On va chauffer, je vais le mettre comme ça. That says intellect. Intellectually. Intellectually. Okay, you should just do it normally. Just leave it now. So we've got these four words. Nous avons donc ces quatre mots. The most important thing is this seal is the truth. That's the thing I want us to pick up. La chose la plus importante que je veux que vous releviez, c'est que ce sceau là, c'est la vérité. What does Peter call it? Comment Pierre l'appelle-t-il? He calls it the present truth. Il appelle cela la vérité présente. So it's the present truth. I want us to know that. Je veux que vous sachiez cela, qu'il s'agit de la vérité présente. So it's the present truth. Donc c'est la vérité présente. That's one point. C'est un point. When this truth quand cette vérité comes to you,
vous parvient. It's got to come intellectually and spiritually. Elle doit venir de façon intellectuellement et spirituellement. So I'm going to just do a little picture of what those two things mean. Donc je vais faire une image de ce que ces deux choses signifient. Intellectually. Intellectuellement. Is like the mind. C'est comme l'esprit. So I just do a picture of the brain. Je dessine donc le cerveau là. And spiritually. Et spirituellement. Is to do with your feelings and emotions, the heart. C'est à voir avec le cœur, les sentiments, les émotions. So if you think about this like a concept, si vous comprenez, vous réfléchissez à ça comme étant un concept, the present truth, la vérité présente, first must come to your mind, premièrement doit arriver à votre cerveau, and then it needs to come to your heart. Ensuite, elle doit descendre dans le cœur. And all of this, et tout cela, cannot happen at once, ne peut pas se passer en une seule fois, because it says settling, parce qu'il nous est dit établissement. So this concept of settling, ce concept là d'établissement, you have a vessel, vous avez donc un vase, which is full of some kind of liquid, water, il est rempli d'un liquide, l'eau, and you're going to have a bag, nous avons un sac, of sand, de sable, sable, S-A-B-L-E, and you're going to pour this sand, et vous allez verser ce sable, into the water, dans l'eau, and as it goes in, et alors qu'il pénètre dans l'eau, it's all going to do this, ça va faire cela, the heavier parts and the lighter parts, il y aura des parties dures et légères, the heavier parts will do what? Les parties dures, elles vont faire quoi? Lourdes. They'll sink to the bottom straight away. Elles vont descendre directement au fond. But there's other particles. Mais il y a d'autres particules. They don't go to the bottom straight away. Elles ne descendent pas au fond directement. Eventually, what will happen? Éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? It will all sink to the bottom and you'll have clear water. Finalement, tout ira au fond de la bouteille et on aura une eau claire. This is this concept of settling. Et ça, c'est le concept d'établissement ou affermissement. So when you settle into something, it takes a period of time. Donc quand vous êtes établi en quelque chose, cela couvre une période de temps. So the sealing, donc le scellement, that's in Revelation 7, verse 3 that we just read of, qui se trouve dans Apocalypse 7, le verset 3 que nous venons juste de lire, it's the truth, c'est la vérité, that must come to your mind, qui doit pénétrer dans votre esprit, then come to your heart, puis entrer dans votre cœur, and it takes time for this to happen. Et cela prend du temps pour que ça puisse se passer. Now, if this truth, si cette vérité, needs to go to your heart, doit descendre dans votre cœur. Do you have any other models that talk about things going into your heart? Est-ce que vous avez donc d'autres modèles qui parlent de choses qui doivent pénétrer dans votre cœur? Yes, we do. Oui, nous en avons d'autres. The Lord's going to give us a new heart and he's going to put what into that new heart? Donc le Seigneur va nous donner un nouveau cœur et il va mettre de l'eau dans ce cœur. The law. Il va mettre la loi dans ce cœur. So you know that this truth, nous savons que cette vérité, is the law. Nous savons que cette vérité, c'est la loi. But this is not just the Ten Commandments. Mais il ne s'agit pas uniquement donc des 10 commandements. This is the whole body of Scripture. C'est toutes les Écritures. Because the Ten Commandments, parce que les 10 commandements, is just a short version of the whole Bible. C'est juste une version courte de toute la Bible. So what's going to be put into here? Donc ce qui va être mis là. Is this present truth? Donc c'est cette vérité présente. But it's the law. Mais c'est la loi. But I want us to see that this is not just the Ten Commandments only. Mais je veux que vous voyez qu'il ne s'agit pas uniquement des 10 commandements. And also I want us to see. Et aussi ce que j'aimerais que vous voyez. That it's intellectual. C'est intellectuel. It's not some feeling, some emotion. Ce n'est pas des émotions, des sentiments. You have to learn things. Il vous faut apprendre des choses. Like going to school. Comme aller à l'école. And it takes time. Et cela prend du temps. You can't expect to learn all of this. Vous ne pouvez pas vous attendre à apprendre tout cela. In an afternoon. En une après-midi. Because that's what we think about the gospel. We think it's very easy. Parce que c'est la pensée que nous avons par rapport à l'évangile. Nous pensons que c'est très facile. In some ways, it is easy. D'une certaine façon, oui, ça l'est. But it has some depth to it. Mais il y a plus de profondeur. So, I want to read a parable to you. J'aimerais vous lire une parabole. Matthew 13. Matthieu 13. Verse 44. Verset 34. Matthieu 13.
Matthew 13, 44. Matthieu 13, 34. This is the parable of hidden treasure. C'est donc la parabole du trésor caché, 44, Matthieu 13, 44. I read. Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme l'a trouvé, il le cache, et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Ellen White comments on this parable. Sorry, one verse. Ellen White fait un commentaire sur cette parabole qui est condensée en un seul verset. She gives a whole chapter about it in Christ Object Lessons. Et elle a tout un chapitre dans Parabole de Jésus-Christ. So this is from Christ Object Lessons, beginning page 103. Donc là, il s'agit donc Parabole pour Jésus-Christ, la page 81 en français. And she begins to introduce this story and give some background detail. Et elle commence donc à introduire cette histoire et en donnant des détails. We know the story. Nous connaissons l'histoire. This man's working in the field. Donc cet homme-là qui travaille dans le champ. And this field doesn't belong to him. Ce champ ne lui appartient pas. He rents it. Il le loue. And he's digging in the soil and he finds this hidden treasure. Et il creuse et il trouve donc ce trésor caché. What does he do? Et que fait-il? Puts all the treasure back, buries it. Il remet le trésor à sa place, il l'enterre. Then does what? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? He goes home. Il va chez lui. Sells everything that he's got. Il vend tout ce qu'il possède. Buys the field. Et il achète donc le terrain. Why would he do that? Mais pourquoi ferait-il cela? Why not just take the treasure and run? Pourquoi ne prend-il pas le trésor et court? What's he expecting to find? Qu'est-ce qu'il s'attend à trouver? He found some treasure. S'il a trouvé un trésor là. He's hoping he's going to find. Il pense en trouver. More treasure. D'autres. Agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? So let me read a little bit of her comment to us. Alors que je vous lise un peu de ses commentaires. 4.3. Treasures of the Gospel. C'est la page 82, parabole de Jésus-Christ, la page 82.3. To read that paragraph, the treasures of the gospel. Donc, je vais lire le paragraphe. Il est dit que les trésors de l'Évangile sont cachés. Ceux qui se surestiment et qui se targuent d'une vaine philosophie ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption. Beaucoup ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont de l'intelligence, mais ils ne discernent pas le trésor caché. So, this is not a mistake that she's going to start connecting these thoughts together. Ce n'est pas une erreur quand elle relie ses pensées ensemble. Says the treasures of the gospel are hidden. Elle dit que les trésors de l'évangile sont cachés. Who are they hidden to? Ils sont cachés à qui? Those have eyes but do not see, they have ears but do not hear. À ceux qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des oreilles et n'entendent pas. She now says they have intellect. Ensuite elle dit ils ont de l'intelligence. But they don't discern the hidden treasure. Mais ils ne discernent pas le trésor caché. Can you see how she took this Bible verse that we just read from Matthew 13? Et vous voyez de quelle façon elle prend ce verset biblique qu'on vient de lire de Matthieu 13? And she modified it. Et qu'elle le modifie. She explains what it means. Elle explique ce verset. To have a heart but not to understand. D'avoir un cœur mais de ne pas comprendre. She says. Elle dit. They have an intellect. Ils ont un intellect. Where's your intellect? Où se trouve votre intelligence? In your heart or your mind? Dans votre esprit ou votre cœur? Here. Là. So, this not having a heart to understand. Ne pas avoir de cœur pour comprendre. Means you can get information. Ça veut dire que vous pouvez recevoir des informations. They have intellect. Ils ont une intelligence. But they don't discern the hidden treasure. Mais ils ne discernent pas le trésor caché. So if you've got this information. Donc si vous possédez ces informations. Coming into your brain. Qui vont directement dans votre cerveau. Where should it be going to? Où devraient-elles ces informations être? Here or here? Dans le cerveau ou dans le cœur? It's here, isn't it? C'est dans le cœur, n'est-ce pas? So these people. Donc ces personnes.
Do they have the truth? Est-ce qu'elles ont la vérité? Yes. Oui. They have the law, the truth, but it's in their mind, they have intellect. Elles ont la loi, elles ont la vérité, mais elles se trouvent dans leur intelligence, dans leur esprit. They know a lot of information. Elles connaissent en fin de compte beaucoup d'informations. If you have a lot of something, quand vous, vous possédez beaucoup de quelque chose, are you poor or wealthy? Êtes-vous pauvre ou riche? You're rich. Vous êtes riche. Sound like Laodicea? Ça ressemble pas à Laodicée? You're rich. Vous êtes riche. And increased with goods. Et accru en bien. Now Adventists are not rich people. Mais les Adventistes ne sont pas des personnes riches matériellement. So what's the richness that Adventists have? Donc quelle est donc cette richesse que possède l'adventisme? The law. La loi. And where is this law? Et où se trouve cette loi? Here. Là. In their minds. Dans leur esprit. Where's it supposed to be? Où cette loi devrait-elle être? In their heart. Dans leur cœur. That's the problem with Adventists. C'est ça le problème avec l'Adventisme. And Adventists are so deceived. Les Adventistes sont si séduits, trompés. If you try to tell an Adventist they're ignorant. Si vous essayez de dire à un Adventiste qu'il est ignorant. Like I'm telling you. Comme je vous le dis là. Respectfully. D'une façon respectueuse, hein. They don't believe it. Ils ne vont pas le croire. Because I'm not teaching you anything new. Parce que je n'enseigne rien de nouveau. Probably with Adventists, they think they got everything sorted out. Parce que les Adventistes, ils pensent qu'ils ont tout résolu. And they have. Et ils l'ont. In their mind. Dans leur esprit. But it's not in their heart. Mais cela ne se trouve pas dans leur cœur. So how do you get it from here to here? Alors comment ça passe du cerveau au cœur? I tell you how Adventists do it. Et je vais vous dire comment le fait les Adventistes. They say if I eat better. Si je mange mieux, ils disent. Sleep better. Si je dors mieux. Wear better clothes. Si je m'habille mieux. Get out of the city. Si je sors des villes. Somehow that information is going to get from here to here. Donc d'une certaine façon, ces informations vont passer du cerveau au cœur. We actually call that salvation by works. Nous appelons cela le salut par les œuvres. I'm saying, je dis, the way it gets from here to here, la façon dont ça passe du cerveau au cœur, Peter already told us. Pierre nous l'a déjà dit. Says we have a more sure word of prophecy. Nous avons une parole plus certaine de la prophétie. When these men understood Jesus, quand ces personnes ont compris Jésus, who he was, qui il était, what he was, ce qu'il était, they were changed. Ils auraient changé. All the church saw Jesus. Toute l'Église a vu Jésus. But they don't believe he's the Messiah. Mais ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. They don't believe he's a fulfillment of prophecy. Elles n'ont pas cru que c'était un accomplissement de la prophétie. When you see, quand vous voyez, the prophecies being fulfilled in front of you, quand vous voyez l'accomplissement de la prophétie devant vos yeux, it begins to change you. Ça commence donc à vous changer. Intellectually, intellectuellement, and spiritually, et spirituellement. She says more. Et elle dit plus. Read the next verse, paragraph. Okay. Quelqu'un pouvait passer là où était caché le trésor et en proie à un cruel dénuement s'asseoir au pied d'un arbre sans se douter qu'une fortune se trouvait tout près. Il en était ainsi du peuple juif. Where have you got to? Jewish people. Okay, we'll stop there. Okay. Donc on a lu... PJ, parabole de Jésus-Christ 82.4. So what she's saying is this. Donc ce qu'elle dit là, c'est cela. She says you rest at a tree. Elle dit vous reposez à un arbre. And you don't know what's underneath you. Et vous ne savez même pas ce qu'il y a en dessous de vous. Why don't you know? Pourquoi ne le savez-vous pas? Because you're not looking for it. Parce que vous ne le cherchez pas. Now Tahiti. Donc Tahiti. This might have been a treasure island hundreds of years ago. Peut-être qu'il y avait, c'était une île remplie de trésors il y a des centaines d'années. So all around your beaches. Donc c'est tout autour donc de vos plages. Maybe only 1 meter below you. Peut-être un mètre plus bas de there vous. There could là. Be a lot of treasure. Peut-être qu'il doit y avoir beaucoup de trésors. Could be rich. Pour être riche. But what did everybody come to Tahiti for? Mais pourquoi les gens viennent à Tahiti? To sunbathe and sit on the treasure. Pour bronzer et s'asseoir sur les trésors. So they're all coming, spending money. Donc ils dépensent beaucoup d'argent. And if they came with the right equipment, mais s'ils venaient avec le bon équipement, they could leave rich people. Peut-être qu'ils auraient pu être riches. And this is the problem when we approach the scriptures. Et voici le problème quand nous abordons les écritures. This is what she's saying. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. We keep on reading and reading. Nous ne faisons que de lire et de lire.
And we're not getting rich. Et nous ne devenons pas riches. Because the richness is when it goes into your heart. Parce que la richesse est lorsqu'elle entre dans votre cœur. Now, Tahiti is a secular country. Bon, it's French. Tahiti c'est un pays donc séculier parce que c'est français. But you go to any country in the world, whether it's secular or religious. Que vous allez dans un dans d'autres pays dans le monde, que ce soit religieux ou séculier. And it's against the law. Et ce pays est contre la loi. To steal. La loi de voler. Even in an atheistic country. Et même dans un pays athée. Because everybody knows that. Parce que tout le monde sait cela. Where they get the information about stealing? Où ces personnes ont pris l'information concernant le vol? Straight out the Bible. Directement dans la Bible. They'll say it's common sense, but it's not common sense. It's straight from the Bible. Ils vont dire que c'est normal, mais en fin de compte, non, ils l'ont pris directement de la Bible. Everyone in the world, whatever religion you are. Et tout le monde dans le monde, quelle que soit la religion que vous avez. Atheism is a religion, by the way. Et au fait, l'athéisme, c'est une religion. Hein. Whatever your religion. Quelle que soit votre religion. Everyone knows what's right and what's wrong. Tout le monde sait ce qui est bien de ce qui est mauvais. You could go to an Islamic country. Vous pouvez aller dans un pays musulman. Read them the Ten Commandments. Lire donc les dix commandements. And they would agree with them. Et ils sont en accord avec cela. Read the Ten Commandments. Lire les dix commandements. Go to Paris and read it in the government building. Et vous allez donc à Paris pour le lire au niveau de l'Assemblée. Now the first couple of ones they might disagree with. Peut-être les trois premiers seront en désaccord. But the ones that deal with humanity, they'd all agree on. Les quatre premiers, ils seront pas d'accord certainement, mais les six autres qui traitent des rapports humains, ils seront en accord. My point is this. Mon point est celui-ci. The moral treasures in the Bible. Les trésors moraux qui se trouvent dans la Bible. Everyone can see them. Tout le monde peut les voir. Everyone has access to them. Tout le monde a accès à ces trésors. So, what is this hidden treasure? Quels sont donc ces trésors cachés? The only a select few have. Que seulement certains peuvent avoir. I want to read another passage. J'aimerais vous lire un autre passage. This is from Councils to Writers and Editors. C'est tiré de conseils des écrivains et des éditeurs. C'est un livre que nous n'avons pas en français. We'll paraphrase. On va le paraphraser. I want to show as we read this. Donc j'aimerais vous montrer alors que nous lisons cela. The treasures in the Bible that are hidden. Les trésors dans la Bible sont cachés. It's not some words in between the verse. Ce ne sont pas des mots entre les versets. It's nothing secret. Ce n'est rien de secret. It's all about the approach. C'est tout porte sur l'approche. If you approach the Bible. Si vous abordez la Bible. Looking for morality. Pour rechercher donc la moralité. You'll find morality. Vous allez trouver de la moralité. But everyone can do that. Mais tout le monde peut faire cela. The hidden treasures. Les trésors cachés. Is approaching the Bible in a different way. C'est aborder la Bible d'une façon différente. We gave an example of that. Nous avons donné un exemple de cela. Who's Boaz? Qui est Boaz? We said Boaz was Christ. Nous avons dit que Boaz c'était Christ. And who's Ruth? Et Ruth. The church. It's the church that came out of Babylon. Someone said Babylon. C'est quelqu'un a dit Babylone, c'est l'église qui sort de Babylone. It's these people that come out of Babylon. Ces personnes qui sortent de Babylone. Who are going to marry Christ. Qui vont se marier à Christ. And who facilitated the wedding? Et qui arrange donc le mariage? Her mother-in-law. Sa belle-mère. Another woman. Une autre femme. The church. L'église. She was a Jew. Elle était juive. So, here we are. Nous voilà là. Adventists. Adventistes. We're going to be the mediator. Nous serons les médiateurs. Between whom? Entre qui? Between Christ. Entre Christ. And those Gentiles that come out of the world. Et ces gentils qui sortent du monde. Now you can't get that story. Vous ne pouvez pas prendre cette histoire. If you just read it morally. Si vous la lisez d'un point de vue moral. Service reading won't give you that.
Une lecture de surface, vous n'obtiendrez pas ce résultat. What you have to do, ce qu'il vous faut faire, is search for the symbols, c'est pour rechercher les symboles and the spiritual concepts behind them. Et le concept spirituel derrière. And once you do that, et dès que vous faites cela, this truth, ces vérités will leave your mind, vont laisser votre esprit and come into your heart, et entrer dans votre cœur. And then you begin to see your role, et ainsi vous allez commencer à voir votre rôle. The high call of an Adventist. L'appel élevé d'un Adventiste. This great work that we're required to do. Cette grande œuvre qui nous est demandé de faire. To bring these two people together. De mettre ensemble ces deux personnes. And this woman Ruth. Et cette femme Ruth. Will be married to Christ. Sera donc mariée à Christ. What's going to happen to you? Mais qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Naomi. Naomi. She's going to get left out. Elle est mise de côté. And nobody's interested in you. Et personne ne s'intéresse à vous. God warned us about this. Et Dieu nous a avertis par rapport à cela. In the parable, parce que dans la parabole, where all these workers work on the farm, nous sommes tous ces ouvriers qui travaillons dans la ferme. Who's the one that complains? Qui sont ceux qui se plaignent? The one that worked all day long. C'est ceux qui ont travaillé tout le long. What's de that la journée. Person's name? Et quel est donc le nom de cette personne? Naomi. Naomi. She doesn't complain in the story of Ruth. Dans l'histoire de Ruth, elle ne se plaint pas. But in this parable, she's complaining. Mais dans cette parabole, elle se plaint. And what's the complaint? Et la plainte, c'est quoi? Ruth hasn't worked hard enough. Mais Ruth n'a pas travaillé suffisamment dur. And she's got the same wages as I have. Et elle a la même récompense que la mienne. So I want us to see. J'aimerais que vous voyiez. That everybody in the world que chaque personne dans le monde can understand the Bible at a moral level. Peut comprendre la Bible à un niveau moral. So if we just sketch that out, donc si nous mettons cela, here's the ground, voici le sol, and here's the treasure, et voici donc le trésor, surface treasure, des trésors de surface. Who can read that? Qui peut lire cela? And understand it and take it. Et le comprendre et le prendre, le saisir. Everyone, tout le monde. All. Tous, T-O-U-S, T-O-U-S, T-O-U-S. Everyone can do this. Tout le monde peut faire cela. Whatever religion. Quelle que soit la religion. But there's some treasure. Mais il y a certains trésors. That's hidden. Qui sont cachés. You need two pieces of equipment to sort this one. Et il nous faut deux sortes de matériel pour les avoir. You need a spade. Donc il nous faut une pelle. And. Et. You need a metal detector. Il nous faut un détecteur de métal. To detect it. Pour le trouver, le détecter. Which means you have to search. Ça veut dire qu'il vous faut chercher. This one. Celui-ci là. You just trip over it. Donc vous êtes dessus. This one's not easy to see. Mais l'autre, il n'est pas facile de le voir. Adventist. L'adventisme. Are so familiar with doing this. Est si familier à faire cela. Now we've forgotten. Maintenant, nous avons oublié. Even how to do this. Comment, de quelle façon creuser, faire cela. This is studying. Là, c'est étudier. The Bible. La Bible. Morally. Moralement. And the hidden treasure. Et le trésor caché. It's exactly the same word, exactly the same Bible verse, exactly the same story. C'est exactement les mêmes versets, la même histoire et. Word, verse, story. La parole, les mots, les histoires et la. Oh, word, verse, story. Les mots. You said three words. Yeah. Word, verse, story. Don't write it. Yeah. Les mots, les histoires et la Bible. But it's looking at them differently. Mais il le regarde, regarde à cela différemment. And that's understanding things prophetically. Et là, ça veut dire qu'on comprend les choses d'un point de vue prophétique. Hidden treasure. Les trésors cachés. Is the same information, but you look at it differently. Ce sont les mêmes informations, mais que on regarde différemment. Let's read. Nous allons lire. Ellen White says, God has given great light. Ellen White nous dit que Dieu a donné une grande lumière. In our magazines, in our books. Concernant dans les magazines, les livres. He said, il a dit, the dead are to speak to us. Que les morts doivent nous parler. Can the dead speak? Est-ce que les morts peuvent nous parler? According to Ellen White, they can. Selon Ellen White, oui. According to 2 Peter, he can. Et selon 2 Pierre, oui, il peut. How does
Peter, when he's dead, speak? Et comment Pierre, alors qu'il est mort, il parle? Through his words. À travers ses paroles. That's what she means here. Et c'est ce qu'elle veut dire là. So then she says. Ensuite, elle poursuit. We are to repeat the words of these people, these pioneers. Ah, pardon. You continue? We are to repeat the words of the pioneers. Il nous faut répéter les paroles des pionniers. These men. Ces hommes. The early forefathers of our church. Les pères de notre église. They knew how much effort it took to search for the truth as hidden treasure. Ils savaient combien d'efforts il a fallu pour chercher pour la vérité comme des trésors cachés. So they searched the Bible for hidden truth. Donc ils ont sondé la Bible pour les trésors cachés. And when they found it. Et quand ils l'ont trouvé. What did they do with that hidden truth? Et qu'ont-ils fait avec ces vérités cachées? She says. Elle nous dit. They labored to lay the foundation of our work. Ils ont travaillé pour poser le fondement de notre œuvre. Ellen White says in another place. Et Ellen White dit dans un autre endroit. This chart. Que cette carte. Don't know how familiar you are with these charts. Je ne sais pas combien vous êtes familier avec cette carte. She says this chart was the foundation of the faith of Adventism. Elle dit que cette carte donc c'est le fondement de la foi adventiste. So what the pioneers did. Donc ce que font les pionniers. They looked for this hidden treasure. Ils regardent donc pour ces trésors cachés. Not the surface ones. Non pas pour ceux qui sont en surface. They dug them out. Donc, il les enlève. Took them out. Il les prend, donc. And what do they do? Et que font-ils avec? They put it on this chart. Ils les mettent sur cette carte. Then they found another one and another one. Et ensuite, ils en trouvent un autre et puis encore un autre. They got all these treasures and put them on the chart. Donc, ils ont tous ces trésors qu'ils placent sur la carte. When you have a time. Quand nous aurons le temps. There's plenty of charts around the room. Have a look at them. Quand vous aurez le temps, il y a des cartes tout autour sur les murs, là, prenez le temps de les regarder. You won't see any morality on these charts. Et vous verrez qu'il n'y a aucune moralité sur ces cartes. These are prophetic charts. Ce sont des cartes prophétiques. And these prophetic charts et ces cartes prophétiques are the foundations of Adventism. Représentent le fondement de l'adventisme. She says clearly. Elle le dit clairement. They searched the truth. Ils ont cherché pour la vérité. Hidden treasure. Les trésors cachés. Dug them out and put them onto this chart. Ils les ont fait sortir pour les mettre directement sur cette carte. She says. Elle dit. They moved forward step by step under the influence of the Holy Spirit. Ils ont avancé pas après pas sous l'influence du de l'Esprit de Dieu. Next paragraph, 29.1. Le paragraphe qui suit, 29.1, CW 29.1. She says, let the truths that are the foundation of our faith be kept before the people. Que les vérités qui sont les fondements de notre foi soient gardées devant le peuple. So these truths. Donc ces vérités. These prophetic truths, not moral truths. Donc ces vérités prophétiques, non pas les morales. Because I don't need to teach you about morality. Parce que je n'ai pas besoin de vous enseigner sur la moralité. If you stole at work yesterday, you know that. I don't need to tell you. Si vous avez volé hier, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. If you're doing some crime now. Si vous faites un crime maintenant. You might feel convicted, but I don't need to teach you that. Vous allez vous sentir convaincu, mais moi, j'ai pas besoin de vous enseigner cela. Everyone knows about morality. Tout le monde connaît ce qu'est la moralité. Even the secular policeman that will stop you. Même le policier séculier qui va vous arrêter. You're not going to say, "Let me open the Bible and teach you about the Ten Commandments." Vous allez pas lui dire, "Laissez-moi ouvrir la Bible et vous enseigner sur les 10 commandements," parce qu'il les connaît déjà. It's these truths. Là, ce sont ces vérités. These hidden treasures. Ces trésors cachés. These are what need to be kept before the people. Ce sont ces trésors qui doivent être gardés devant le peuple. And they haven't been. Et non pas, cela n'a pas été le cas. She says. Elle dit. Next verse, next sentence. Sorry. La phrase donc. Certains se sont détournés de la foi, ne prétend à l'oreille aux esprits séducteurs et aux doctrines de diable. Now I want to tell you that these seducing spirits, the doctrines of devils. Donc je voudrais vous dire que ces esprits séducteurs et ces doctrines de diable. The devil's not saying to you, why don't you steal? Ne vont pas vous dire, mais pourquoi vous volez? Why don't you commit adultery? Pourquoi ne commettez-vous pas l'adultère? It's not talking about that. Là, on ne parle pas du tout de ça.
The departing of the faith. Le fait de sortir de la foi. Is the departing of this information. C'est se détourner de ces informations. It's rejection of these truths. C'est le rejet de ces vérités. Hein. Because you could be any Christian denomination. Vous pouvez être n'importe quel chrétien de n'importe quelle dénomination. And you will be committing adultery. Et vous pouvez commettre l'adultère. You wouldn't be lying, stealing, or cheating. Vous pouvez mentir, voler ou médire. No Christians do that. Il y a aucun chrétien qui doit faire cela. In fact, no religious body does that. En fait, compte, aucun corps religieux ne fait cela. In fact, no atheistic society does that. Aucune société athée ne fait cela. The departing from the faith. Le fait de se détourner de la foi. Is not doing moral crimes. Ce n'est pas, ne consiste pas à commettre des crimes moraux. The departing of the faith. Le fait d'abandonner la foi. Is not believing these truths. C'est le fait de ne pas croire en ces vérités. And every single thing on this chart is all about prophecy. Parce que toutes ces petites choses sur cette carte là, ça traite de la prophétie. Next sentence. Il parle donc de science, et les ennemis entrent à l'intérieur et leur donnent une abondance de science, mais ce n'est pas la science du salut. So now she's talking about the salvation of science, sorry, the science of salvation. Maintenant, elle parle du salut de la science. The science of salvation. La science du salut. Is when you have all of this. C'est quand vous avez tout cela. When the truth comes into your heart. Quand la vérité rentre dans votre cœur. Have Adventists, have we as Adventists got the truth in our hearts? Est-ce que nous, en tant qu'Adventistes, nous avons la vérité dans notre cœur? According to the Bible, the answer is no. Selon la Bible, la réponse est non. Because we're blind. Parce que nous sommes aveugles. From the leadership to the lowest church member. À partir donc des dirigeants jusqu'au membre le plus bas. And we need the science of salvation. Et nous avons besoin de la science du salut. Which was the message that Jesus came to give the church. Qui est un message que Jésus est venu donner à l'église. And they would not accept it. Et que ce message n'a pas été accepté. In fact, they accused Jesus of all these crimes when he did nothing wrong. En fait, ils ont accusé Jésus de tous ces crimes alors qu'il n'a fait rien de mal. Because they wouldn't accept this Messiah. Parce qu'ils n'acceptent pas ce Messie. They said we don't accept this man. Ils ont dit on n'acceptera pas cet homme. But if Moses came, if Elijah came, we'd accept them. Mais si Moïse vient ou Élie, là nous allons l'accepter. But not this one. Mais pas cet homme. Because this is what God's church does over and over again. Et c'est ce que fait l'Église de Dieu à maintes reprises. Right here with Jeremiah. Là avec Jérémie. So we accept Moses, but not this man. Donc on va accepter Moïse, mais pas cet homme. Accept Moses, but not Isaiah. On va accepter Moïse, mais pas Isaïe. Over and over again. Encore et encore. We have this habit. Nous avons cette habitude. Of rejecting the present truth. De rejeter la vérité présente. While claiming. Alors que nous professons. To hold on to the past truths. De rester donc sur les vérités passées. If you do that. Et si vous faites cela. You will be destroyed. Vous serez donc détruit. She says it's not the science. Sentence. Parce qu'elle nous dit. Ce n'est pas la science de l'humilité, de la consécration ou de la sanctification de l'esprit. Next sentence. Nous devons comprendre maintenant quels sont les piliers de notre foi. Les vérités qui ont fait de nous ce que nous sommes en tant que peuple, nous conduisant pas après pas. So what has made us the people who we are? Donc qu'est-ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes? It's not that we don't commit adultery. Ce n'est pas le fait que nous commettons l'adultère. Or that we're honest in our secular work. Ou que nous sommes honnêtes dans notre travail séculier. Has that made us a special people? Est-ce que c'est ce qui fait de nous un peuple spécial? No. Non. It's not even the Sabbath. Ce n'est même pas le sabbat. There are plenty of Christians who keep Sabbath. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui observent le sabbat. The truths that have made us special. Les vérités qu'on fait de nous être particuliers. Are the sanctuary. C'est le sanctuaire. And the third angel's message. Et le message des trois anges. Those are the truths that make us special. Ce sont ces vérités qu'on fait de nous un peu spécial. These are the pillars of our faith. Voici les piliers de notre foi. And God led us step by step. Et Dieu nous a conduit pas après pas. To develop these truths and understanding. Pour développer ces vérités et cette compréhension. Started with this chart.
Cela a commencé par cette carte. In 1842. En 1842. And then developed the second chart. Et ensuite la deuxième carte a été développée. In 1850. En 1850. They're exactly the same chart. C'est exactement la même charte. This was the foundation. Ça c'est le fondement. And then they added some information. Et ensuite ils ont ajouté d'autres informations. They added the information about the sanctuary. Ils ont ajouté des informations concernant le sanctuaire. And the third angel's message. Et concernant le message du troisième ange. Because they didn't understand that here. Parce qu'ils n'avaient pas compris ces vérités là. The Lord led them step by step. Le Seigneur les a conduits pas après pas. And it's these truths that make us special. Et ce sont ces vérités qui font de nous un peuple spécial. That make us a people of prophecy. Qui font de nous un peuple de la prophétie. Not a people who are experts on prophecy. Et non pas un peuple qui est expert sur la prophétie. But the Bible speaks about us. Mais la Bible parle de nous. Where does the Bible speak about us? À quel endroit la Bible parle de nous? Revelation. Apocalypse. 12. 12. Do you know the verse? 17. Last verse. 17. Good. Let's 17. Read that. Nous allons le lire, Apocalypse 12, 17. We'll read 12, 17 in closing. Nous allons lire Apocalypse 12, 17 pour conclure. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. So this is a clear identification of God's people here at the end of the world. Donc ça c'est une identification claire du peuple de Dieu à la fin du monde. Are we the woman? Sommes-nous la femme? We're not the woman. Nous ne sommes pas la femme. We're the seed of the woman or nous the remnant. Nous sommes le reste de la semence, le reste de la semence. We're what's left. Ce qui reste. The remnant of this woman. Le reste de cette femme. So we're identified in Holy Scriptures. Nous sommes identifiés dans les Écritures saintes. And it's these truths that are on these charts that make us special. Et ce sont ces vérités qui se trouvent sur cette carte qui nous rendent spéciaux. These are the pillars of our faith. Et ça représente les piliers de notre foi. And these truths. Et ces vérités. Were dug out of the Scriptures. Qui ont été retirés donc des Écritures. Through understanding a prophetic model. De sorte que nous puissions comprendre notre modèle prophétique. The Millerites. Les Millerites. Began that work. Ont commencé cette œuvre. For decades afterwards. Il y a des décennies après. Over 100 years in fact. Plus de 100 ans. That work has stopped. Cette œuvre s'est arrêtée. But it's God's will at the end of the world. Mais c'est la volonté de Dieu à la fin du monde. Before the second advent. Avant le deuxième avènement. That work is going to be completed. Que cette œuvre va se terminer, être complète. A clear understanding. Une bonne compréhension. Of a prophetic model. Du modèle prophétique. So not only that, so that we can prepare, but we can prepare the world. Afin que nous puissions non seulement nous préparer, mais également le monde. Prions pour conclure. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Père céleste, nous te remercions pour ta bonté. As we see the relationship between the mind and the heart. Alors que nous voyons la relation entre l'esprit et le cœur. As we see, Lord, that we are rich and increased with goods. Alors que nous voyons que nous sommes riches et accrus en biens. May each of us come under conviction. Que chacun puisse être convaincu. Not an emotional response, Lord, but a deep conviction. Non pas une réponse émotionnelle, mais une conviction profonde. Help us to see our condition before you. Aide-nous à voir notre condition devant toi. And may we come to you. Et que nous puissions venir à toi. And seek for forgiveness. Pour rechercher le pardon. We know that that work is initiated through a prophetic understanding. Et nous savons que cette œuvre est initiée par une compréhension prophétique. That prophetic understanding is the foundation of our faith. Et cette compréhension prophétique, c'est le fondement de notre foi. Help us to have greater clarity of these truths. Aide-nous à avoir une plus grande clarté de ces vérités. It's our prayer in Jesus' name. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mm-hmm.